Eh bien donc salut à tous, c'est Atimixis. Donc aujourd'hui vidéo d'ouverture de deck de démarrage Pendulum, la confrontation de l'espace-temps. Donc je sais que j'arrive en retard d'une semaine, demain ça fera une semaine, mais parce que j'avais pas le temps, j'étais occupé toute la semaine, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, donc de toute façon je fais pas souvent de vidéos en ce moment. Voilà, donc ce truc je l'ai gagné au repère du dragon. Donc j'ai gagné, j'ai fait le tournoi, j'ai gagné 4 boosters primal origine. Et j'ai changé contre les 4 boosters contre 2 decks. J'ai déjà ouvert un deck, donc voilà. Donc j'ai déjà eu un deck avec voilà, la preuve, donc un petit le tapis. Voilà, on s'en fout. Donc bah on va commencer l'ouverture sans tarder. Donc voilà. Sur ce, voilà. Dans ce deck, je recherche que 3 cartes. Les pendulums et la carte magique unité de ravitaillement, si je crois. Bien que c'est la bonne carte, je regarde ça tout de suite. Oui, unité de ravitaillement. Donc voilà, s'il y a des bruits de fond, bah soit c'est dans le jardin, il y a des enfants, soit c'est de ma famille. Donc désolé, hein. Donc on va commencer l'ouverture sans tarder. Donc voilà. C'est un deck utile, comme le Utopie avant, quand j'étais gamin, on aimait bien ça. Donc le booster de renforcement, les règles et le playmat que j'ai déjà eu. Ensuite, donc le pack de renforcement, il y a Dragon aux yeux impairs et Trou Noir en Ultra qui est obligé de l'avoir. Sinon on n'a rien. Sinon on peut aussi aller au Rator. Trou Noir, oh, force, c'est bien. Renfort. Il est pas mal avec force, parce que tout à l'heure j'ai eu force aussi avec Colère Divine, Renfort et Silence, donc c'était un bon booster. Donc on va commencer l'ouverture du deck. Donc désolé si je galère un peu, c'est parce que j'arrive pas trop à trouver l'ouverture, c'est très galère. Oh là là. Ah c'est bon, merci Konami d'abord. Non, merci à Biscorp, je crois. Je vais faire une petite ouverture. Donc, les cartes. Pardon. Donc, Magicien Observateur du Temps. Donc, c'est une très bonne carte. Avec Magicien Observateur des Étoiles. Les deux pendulums du truc. Donc, 8 et 1. Donc, d'un moment, on place comme ça. Ou l'inverse. Moi, je préfère comme ça. C'est assez stylé. Ensuite, on a des cartes, voilà, secondaires. Pas très utiles, en tout cas, que des normales. C'est un peu nostalgique, on s'en souvient d'avant. Un petit archétype, le guerrier éveillé, et aussi les je sais plus moi. Donc on a 3. Avec, voilà, un autre guerrier éveillé. Invocateur, il y a des invocateurs. Dragon bleu. Moineau rouge, tigre blanc, torturé, mur de magie enchanteur. Ensuite, la carte que je vous parlais, mur de ravitaillement. Une fois par tour, si plusieurs monstres que tu contrôles sont détruits au combat par des effets de carte, tu pioches une carte. Et c'est une magie continue, c'est une carte complètement craquée. Vortex, typhon, très bonne carte. Boost d'ego, âge des espoirs, âge de la âge parfumeur. Rien d'incarnation de monstre, ça usine de produits dans la ténèbre. Poison du vieillard, trappe, bonne carte. Arme de sa correction, bonne carte. Ragiki, bonne carte. Tornade aussi, bonne carte. En héroturgie. Résurrection de l'âme. Silence de cubicité, très joué dans Shinder. Mourir de magie et une très bonne carte aussi, c'est outil du bandit. Donc voilà. Donc ensuite, bah, il y a aussi Dragon du Impair. Donc c'est une bonne ultra avec Trou Noir que j'étais très content que c'est sorti en ultra car c'est stylé en ultra et on peut l'avoir facilement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi une petite ouverture de 4 minutes environ, bah ça me fait plaisir. Donc voilà, donc prochaine vidéo, peut-être une vidéo de report du tournoi ou report du world ou je sais pas, peut-être report du tournoi ultra jeu où je filmerai. Bon bah voilà hein. Donc moi parfois je suis sur Twitch à Ultra Jeu, donc n'hésitez pas à regarder en live achète tournoi d'Ultra Jeu de 14h à 18h. Allez YouTube, sur ce je vous laisse. Salut YouTube.